Partir du jeudi 5 septembre 2024 à 20h sur Zoom, j'animerai un atelier entièrement dédié aux starseeds qui veulent approfondir ce qu'ils sont, en savoir davantage d'un point de vue extraterrestre et qui souhaitent échanger dans un contexte sécurisé avec d'autres personnes qui les comprennent et qui ont les mêmes attentes et les mêmes valeurs. Les starseeds, graines d'étoiles ou émissaires stellaires, sont des personnes qui semblent être comme tout le monde en apparence, mais qui ont une manière très différente de penser ou d'agir et qui se souviennent d'avoir vécu sur d'autres planètes. Ils ou elles ont choisi, pour des raisons personnelles ou humanistes, d'entrer dans un cycle d'incarnation terrestre pour rendre le monde meilleur, plus juste ou plus éthique. Les starseeds ressentent souvent un mal-être ou un décalage avec la société terrestre. Ils aiment la nature et les animaux, et la nuit, ils se sentent apaisés lorsque les étoiles brillent dans le ciel. Ils ne s'intéressent qu'aux choses importantes, non des apparences. Ils n'aiment pas l'argent, et la société terrestre leur paraît étrangère. Ils sont essentiellement divisés en deux groupes principaux. Les starseeds qui naissent directement sur Terre en provenance d'une autre planète et d'une lignée extraterrestre sans l'aide de la technologie d'immersion. Et les starseeds originaires d'une planète étrangère qui sont en stase dans une capsule d'immersion. Les informations que je présenterai pendant cet atelier sont exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016. Vous pouvez entendre la voix de Zen en train de me parler dans ma vidéo numéro 2023 Trait d'Union 115 sur ma chaîne YouTube. Programme est organisé en 4 séries de 4 sessions de la manière suivante. Le jeudi 5 septembre, la session numéro 1, présentation des équipages extraterrestres en haute orbite terrestre et de Zen, mon mentor, et la manière dont ils ont partagé les informations proposées dans ces ateliers. Le jeudi 12 septembre, session numéro 2, résumé succinct par Tim de son expérience de moine de forêt, technique de base, de points de focus, méditation assise, méditation en marchant, l'intérêt, le but et l'importance pour les émissaires stellaires et les starseeds de pratiquer la méditation, les starseeds et l'illumination avant d'arriver sur Terre et actuellement. Le jeudi 19 septembre, session numéro 3, l'illumination ou la vue en 5D. Qu'est-ce que l'illumination et quel est son lien avec le voile de l'oubli et la vie extraterrestre en cinquième densité? Peut-on déjà être illuminé en s'incarnant sur Terre? Le jeudi 26 septembre, session numéro 4, repérage de votre lignée stellaire, l'exploration du subconscient grâce aux techniques d'exploration spirituelle régressive, l'induction des fréquences θ, la présentation succincte de 12 lignées extraterrestres que vous pourrez utiliser comme référence pour repérer la vôtre, découverte de votre famille stellaire et le lien que vous souhaitez découvrir ou retrouver.
La seconde série de 4 sessions, session numéro 5 le jeudi 3 octobre, communiquer avec le monde extraterrestre, le type de communication et d'apprentissage pour développer les techniques pour communiquer directement avec votre lignée stellaire, avec un membre spécifique de votre lignée ou avec l'intelligence artificielle en charge du fonctionnement de votre capsule holographique dans laquelle se trouve votre corps en stase. Session numéro 6 du jeudi 10 octobre, identifiez vos objectifs. Vous vouliez vivre sur Terre, quels étaient vos objectifs et motivations, raisons personnelles, buts humanistes, thérapeutiques ou spirituels? Pourquoi avez-vous décidé de vous incarner sur Terre plutôt que sur une autre planète et pourquoi faire? Session numéro 7 du jeudi 17 octobre, clarifier l'entre-deux-vies. Qu'est-ce que l'entre-deux-vies? Un espace, une densité, une autre réalité accessible par la technologie extraterrestre? Quelles relations les lignées extraterrestres qui utilisent les capsules d'immersion entretiennent-elles avec l'entre-deux-vies? Comment une technologie extraterrestre peut-elle être utilisée pour insérer une personne dans le processus naturel et biologique du cycle de la vie et de la mort sans le perturber? Session numéro 8 du jeudi 24 octobre. Comprendre votre naissance sur Terre, les cycles d'incarnation sur Terre ou sur une autre planète, techniques d'incarnation naturelles ou grâce à des techniques d'immersion avancées, les capsules holographiques d'immersion, lien et communication avec l'intelligence artificielle de votre corps en stase. La série suivante commence avec la session numéro 9 du jeudi 31 octobre. Déchiffrer les interventions extraterrestres, la mise à niveau des fréquences maternelles dès le moment de votre conception, la mise à jour de votre compréhension par les rêves ou voyages astraux ou d'autres moyens tout au long de votre vie d'émissaire stellaire ou de starseed. Les groupes sanguins des émissaires stellaires sont-ils reliés à certains groupes extraterrestres? Quelle lignée extraterrestre abducte les terriens et pourquoi? Session numéro 10 du jeudi 7 novembre, embrassez votre mission. Les signes précurseurs, avez-vous programmer votre mission avant de venir? Comment pouvez-vous la définir et savoir ce qu'elle est? Êtes-vous maître de votre mission? Session numéro 11 et 12 des jeudis 14 novembre et 21 novembre, les signes précurseurs, retrouvez les expertises que vous aviez avant de vous incarner, disposez-vous de votre libre arbitre. Session numéro 13 du jeudi 28 novembre, identifiez vos difficultés sur Terre. Difficultés avec votre famille biologique, décalage physique, psychologique, spirituel, mal-être, difficultés de vivre votre vie en 5D sur Terre ou de retrouver votre manière d'être stellaire. Session numéro 14 du jeudi 5 décembre, survivre et prospérer au quotidien. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les starseeds et les émissaires stellaires? Douleurs physiques, allergies, épuisement et comment les dépasser? Lutte contre les douleurs, les allergies, la pollution sonore, les chemtrails, les interférences mentales ou de type V2K, voice to skull, télépathie artificielle par technologie avancée. Session numéro 15 du jeudi 12 décembre. Ouverture officielle de la communauté des émissaires stellaires et des starseeds. La session numéro 16 du 19 décembre. Fin des ateliers, partage, discussion, suite à donner. Vous aurez pendant ces 16 ateliers l'opportunité de vous développer, de découvrir des domaines encore inconnus, de partager vos expériences et de poser vos questions. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place. Ne manquez pas cette occasion unique d'apprendre et de vous développer. Je serai ravie de vous accueillir et de partager toutes ces connaissances avec vous. À très vite !